Bonjour. Alors, je vais vous présenter la galerie. Je m'appelle Juline et je suis médiatrice à la galerie. Si vous venez à la galerie, il y a 4 postes de vacataires. Moi, je suis en médiation, il y a la com, la régie et il y a la coordination. Et après, c'est que des bénévoles qui participent, par exemple, pour l'accueil public. Donc, vous pouvez, si vous voulez, venir à la galerie et faire un stage ou une VEE. Voilà, je ne sais pas si je vais expliquer la VEE, je ne sais pas. Plus tard, peut-être. Ouais, mais si jamais ils font une VEE, ouais. Pour la galerie, sinon, c'est Bruno qui va la diriger. C'est le directeur et il est en lien avec le service culturel où il y a aussi des expositions là-bas, c'est le bâtiment Tambour. Et puis là, la galerie, elle va être en travaux pendant 4 ans à partir de mars. Mais il y aura quand même une galerie, mais ce sera plus à l'extérieur, des installations et des performances. Voilà. D'accord. Je sais pas si je vais dire d'autres choses pour la première vidéo. Non, ce qu'on pourrait dire, c'est peut-être par rapport aux horaires. Voilà. Pour venir à la galerie, c'est du lundi au vendredi de 13h à 18h. Et après, s'il y a des visites vraiment guidées, ça peut être exceptionnellement soit le matin ou après 18h. Ça dépend qui fait la visite et suivant les disponibilités. Et sinon, pendant le montage des expos, la galerie elle est fermée. Donc là, ça dépend vraiment des périodes, il faut regarder sur les emplois du temps. Et il y a à peu près jusqu'à 6 expos par an, mais là, ça va être 3 expos puisque la galerie elle sera fermée. D'accord. Et est-ce que c'est payant ? Non, c'est gratuit. D'accord. Merci.